Macky Sall travaille-t-il pour la France? Le reste de la majorité des Sénégalais travaille-t-il pour la France? La vérité doit être dite. Vous avez une majorité des Sénégalais. Quand il y a des grandes manifestations à cause de la tricherie des élections au Sénégal, les Sénégalais, ils sont une grande majorité en France. Ils ne sortent pas dans les rues de la France. Pourquoi? Parce que la majorité travaille pour le bien de l'Élysée. Le Sénégal est un grand danger pour la libération de l'Afrique. La vérité doit être dite. Macky Sall est-il le bien du peuple africain ou est-il l'ennemi de l'Afrique? La vérité doit être dite. If you want, open the window for the fresh air. La vérité doit être dite. Est-ce que Macky Sall, est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il travaille pour le bien de la France? Est-ce qu'il travaille pour le bien de la libération de l'Afrique? Quand vous écoutez Macky Sall, dans tout ce qu'il fait sortir, il n'y a toujours que le bien de la France. Parce que Macky Sall, c'est le jumeau exact du dictateur que nous avons en Côte d'Ivoire, le Burkinabé, Alassane Ouattara. Burkinabé, en Côte d'Ivoire, travaille pour le bien de la France, de l'Élysée. Et Macky Sall, il travaille aussi pour le bien de l'Élysée. Macky Sall ne dit jamais des bonnes choses pour le bien de l'Afrique. Toujours, vous allez écouter, il dira que des bonnes choses pour le bien de la France. La vérité doit être dite. Le tiers africain dira toujours la vérité. Les Sénégalais, ils ont fait une grande marche à Paris. Est-ce qu'il y avait le monde des Sénégalais sont sortis dans les rues de Paris? Non. Parce que la majorité des Sénégalais, ils s'en foutent éperdument de ce qui se passe à Dakar. Les Sénégalais, regardez bien la majorité. Hein. La majorité travaille pour le bien de la France. Ils ne travaillent pas pour le bien du Sénégal ou du reste de l'Afrique. Ce direct, je le fais parce qu'il y en a marre. Les gens, la plupart, quand ils voient les Sénégalais dans des diasporas africaines, ils se disent que tous les Sénégalais sont pareils. Non, ils ne sont pas pareils. Vous avez des Sénégalais qui sont là à la recherche de l'argent. À la recherche de l'argent. Nous avons ici, je vais vous montrer, parce que la vérité doit être dite. Nous avons ici le vrai président, avant, Senghor. Nous avons Abdou Diouf ici. Nous avons Abdoulaye Wade ici. Nous avons ici Macky Sall. Mais Macky Sall qui a été élu par le peuple avant, mais maintenant qui est devenu un grand dictateur. Parce que Macky Sall travaille pour le bien de l'Élysée. Macky Sall ne travaille pas pour le bien du Sénégal ou du reste de l'Afrique. Non, Macky Sall est un pion de la France. Et il est plus dangereux que Abdou Diouf, Abdoulaye Wade
ou Abdou Diouf. Senghor était l'un des bons présidents du Sénégal. Mais est-ce que Macky Sall travaille-t-il pour le peuple sénégalais? Est-ce que Macky Sall est là pour le bien du peuple du Sénégal? Non. Il est là pour son ventre. Il est là pour le bien de l'Élysée. Et la vérité doit être dite. Quand vous voyez les Sénégalais qui manifestent à Paris contre l'élection de Macky Sall, est-ce que il y a un monde fou des Sénégalais qui sont venus? Non, ils s'en foutent. Parce que la majorité des Sénégalais, quand vous les entendez parler, même la langue française qu'ils parlent, ils imitent l'homme blanc. La plupart des filles sénégalaises sont mariées à des blancs français. La vérité doit être dite. La plupart des jeunes sénégalaises vont faire leur vie avec des Sénégalais. Pourquoi? Avec des blancs plutôt, des blancs en France. Parce que, au fait, les Sénégalais, la majorité, travaillent pour le bien de l'Élysée. Et ils travaillent pour la destruction de l'Afrique. Et la preuve, depuis que les activistes, les combattants, pointent de doigt le franc CFA, mais vous savez, une majorité des Sénégalais qui ne sont pas d'accord. Vous avez Macky Sall, il est sorti pour dire que le CFA est une bonne chose pour l'Afrique. Il parle exactement comme son frère, le terroriste en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui n'est qu'un Burkinabé, qui n'est pas un Ivoirien, mais placé par la mafia de l'Élysée, placé par Nicolas Sarkozy en roi de merde, qui avait fait un coup d'État en Côte d'Ivoire et a tué les Ivoiriens à main nue. La vérité doit être dite. L'Afrique va mal. Mais les gens doivent comprendre pourquoi l'Afrique va mal. Le tiers africain dira toujours la vérité. Parce que moi, je ne suis pas l'ami des Sénégalais qui ont double visage vis-à-vis de la libération de l'Afrique. Ici, nous avons la liste des anciens présidents. Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. Et ici, nous avons Macky Sall. Mais un grand danger pour le Sénégal. Un grand danger pour toute l'Afrique. Et la vérité doit être dite. Les Sénégalais ont fait une marche à Paris pour protester contre l'élection de Macky Sall qui a été réélu au Sénégal. Mais Macky Sall a été réélu au Sénégal pas par les Sénégalais, mais par la mafia de l'Élysée. Et cette mafia, elle est prise, elle est dans les mains du président Emmanuel Macron, qui n'est que le roi Jupiter, le dictateur des dictateurs. Donc tous les Français ont mis des gilets jaunes pour pointer de doigt Macron. Et donc ils veulent que Macron puisse dégager. Et les gilets jaunes sont allés à Chamalières pointer le franc CFA. Parce qu'ils disent que c'est ça qui fait que les migrants viennent en masse en France et dans le reste de l'Europe. La vérité doit être dite. Est-ce que la monnaie britannique... Est-ce que la monnaie britannique, la monnaie anglaise, où est-ce que nous voyons la reine d'Angleterre, est-ce que la monnaie britannique, elle est imprimée par la France? Mais non! Le livre sterling est imprimé par la banque britannique. Mais le franc CFA, qui n'est pas la propriété de l'Afrique, imprimé par la France et 14 États, la honte, l'Afrique va mal. L'Afrique, il n'y a pas de développement. Le Centrafrique, un beau pays. Les meilleures pierres de diamant viennent du Centrafrique. Le meilleur pierre de l'or vient de Centrafrique. Mais est-ce que les Centrafricains bénéficient des meilleurs trucs en Centrafrique? Non.
Non. Nous avons la monnaie ici, le livre sterling, la monnaie de la reine, le livre sterling britannique est imprimé par la banque britannique. Mais comment ça se fait le franc CFA est imprimé par la banque à Chamalières? Comment ça se fait le franc CFA est imprimé à Chamalières? Et comment ça se fait l'Afrique va mal? Mais l'Afrique va mal parce que la France, à partir de cette monnaie, qui n'est que du papier hygiénique. Le franc CFA n'est que le papier hygiénique. Mais à partir de cette monnaie, la France, elle met sa dictature dans toute l'Afrique. Elle place l'armée française, qui sont que des espions, qui sont que des rebelles, pour voler les minerais en Afrique et pour tuer le peuple noir. L'histoire se répète. Car hier, ce qui s'était passé, l'esclavagisme, mais ça continue d'une autre manière. Aujourd'hui, l'esclavagisme, c'est tuer l'homme noir. Parce que pour eux, l'homme noir n'est pas un être humain. Voilà pourquoi les majorités des Antillais qui sont aveuglés en France doivent ouvrir leurs yeux parce que les blancs français ne considèrent pas les noirs antillais des Français. Non, Français sur les papiers, mais en réalité, ils sont considérés comme les noirs de l'Afrique parce que les Antillais des îles, ils viennent d'où? Leurs origines viennent d'où? De l'Afrique. Les Noirs américains, leurs origines viennent d'où? De l'Afrique. L'exploitation humaine à l'époque, l'esclavagisme, on a pris des Noirs, on les a amenés. Un seul chemin sans retour. Et l'histoire se répète. Vous avez des étudiants africains qui ont quitté l'Afrique très jeunes, qui sont venus étudier en Europe. Mais la majorité ne sont plus repartis en Afrique parce que la majorité sont devenus des êtres pris en captivité par la France. Ils ne peuvent plus rentrer en Afrique. C'est exactement comme à l'époque. On a pris nos arrière-grands-parents, on les a amenés un seul chemin, sans retour. Et l'histoire se répète. Aujourd'hui, vous avez une grande majorité des intellectuels, étudiants africains, mais qui ne sont pas en Afrique, mais qui traînent en Europe. Et la majorité font des petits boulots. Ils sont diplômés, mais ils font des petits boulots. Ils n'ont pas des contrats à long terme. Et c'est cela que la France exploite. La France exploite à fond l'être humain africain. Et la vérité doit être dite. Les Sénégalais sont la menace de l'Afrique. Il faut dire la vérité. Et moi, je dirai la vérité. J'ai des amis sénégalais. Ils savent que moi, je dis la vérité parce que je les connais. C'est des gens qui aiment bien manger. C'est des gens qui aiment bien chercher les femmes. C'est des gens qui aiment montrer que eux, ils réussissent. Parce que ce sont des gens qui sont à la recherche d'argent. Et ils sont prêts à tout. Voilà pourquoi Macky Sall, il sacrifie le Sénégal à la France. Il donne tout à la France. Macky Sall ne travaille pas pour la France. Il ne travaille pas pour le Sénégal, mais pour la France. Macky Sall, il soutient le franc CFA, exactement comme Alassane Ouattara. Parce que Macky Sall et Alassane Ouattara sont les deux grands ennemis de toute l'Afrique. Et la vérité doit être dite. Il est temps que les Africains se réveillent. Macky Sall n'est pas l'ami du peuple africain. Macky Sall n'est pas l'ami des Africains. Macky Sall est l'ami de l'homme blanc de l'Élysée. Emmanuel Macron, c'est le meilleur ami de Macky Sall. Parce que pour Macky Sall, qui est là, il se dit que Emmanuel Macron et lui, ils ont le même âge. Pour Macky
Macky Sall. Il se dit, lui et Emmanuel Macron, ils ont le même âge. Et la vérité doit être dite. L'Afrique va mal, mais il faut chercher les causes. Pourquoi le Sénégal va mal et pourquoi le reste de l'Afrique va mal. Et il faut comprendre. Les Sénégalais ont fait une marche. Est-ce qu'il y avait du monde dans leur marche? Il n'y avait pas du monde. Il n'y avait pas du monde. Pourquoi? Vous comptez de doigts, ils étaient peut-être 10. Devant leur ambassade, ils étaient peut-être 20 personnes. Mais est-ce qu'en France, il n'y a que 20 Sénégalais? Ils sont des millions de Sénégalais qui vivent là-bas. Et vous avez une majorité. Ils viennent en France comme si c'était leur porte de chambre. Parce qu'on leur donne le visa facilement pour entrer. Mais je vous dis la vérité. Les Sénégalais rentrent facilement en France. Ils n'ont pas des complications pour entrer en France. Ils rentrent facilement. Allez dans des aéroports, au Charles de Gaulle. Allez à Orly, vous allez voir comment les Sénégalais rentrent en France. Ils viennent comme ils veulent. Hein? Mais l'Afrique va mal. Le Sénégal, il y a des Sénégalais qui ne mangent pas bien. Il y a des Sénégalais qui vivent dans des conditions critiques. Mais est-ce que Macky Sall travaille-t-il pour le bien du Sénégal? Est-ce que Macky Sall travaille-t-il pour le développement du reste de l'Afrique? Non. Macky Sall travaille pour le bien de l'Élysée. Et la France, elle sait bien qu'elle a ses troubadours. Elle sait bien qu'elle a ses caniches, ses cochons qui sont là, qui travaillent pour elle. La France, l'ennemi juré de l'Afrique. Et les Africains doivent comprendre que la France n'est pas leur ami. Les Africains doivent arrêter parce que vous avez une majorité des Africains. Vous avez une majorité des Africains qui croient que la France, ils sont chez eux. Vous avez une majorité des Sénégalais. Ils se disent. Essayez d'envoyer de l'ordre dans ce direct. Parce qu'il y a des gens qui signalent ce direct. La vérité doit être dite. L'Afrique va mal. Mais il faut se poser la question. Pourquoi l'Afrique va mal? Les Sénégalais, ils sont en masse à Paris. Mais les Sénégalais ont fait une marche. Est-ce qu'il y avait du monde dans leur marche? Essayez de réfléchir. Est-ce qu'il y avait du monde? Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Parce que les Sénégalais sont pas là pour le bien de l'Afrique. Ils ne sont pas là pour le développement au Sénégal, ni dans le reste de l'Afrique. Ils sont là pour leur argent, leur poche. Leur poche. Leur argent. On s'en fout du reste de l'Afrique. On s'en fout des Africains. On s'en fout des peuples sénégalais qui ne mangent pas ou qui n'ont pas accès à l'eau potable ou aux vivres. On s'en fout. Nous, on doit penser à nous. Et c'est ce que les Sénégalais font en France. Voilà pourquoi moi, je suis là pour ouvrir les consciences endormies. Parce que beaucoup se disent que les Sénégalais, ils sont exactement debout comme tous les restes des Africains. Grandement fous. Ils ne sont pas debout. Ce n'est pas tous les Sénégalais qui sont debout. Les Sénégalais s'en foutent de ce qui se déroule dans les restes de l'Afrique. Hein. Ils s'en foutent. Et la France joue avec éperdument. Parce que la France sait que les Africains ne sont pas unis. Même dans le combat des combattants ou des résistants, il n'y a pas ce qu'on appelle l'union. L'union fait la force. Les Africains ne sont pas unis. Et voilà pourquoi la France continue à jouer avec le peuple noir. La vérité doit être dite. Le défaut de l'Africain, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a que la jalousie.
Chaque combattant veut être leader, montrer que eux, c'est eux. Quand vous montrez à un combattant quelque chose qu'il ne faisait pas bien avant, lui, il va aller le faire et après, il va montrer que lui, il dépasse celui qui lui a montré. C'est comme celui, hier, dont on faisait des vidéos dans le métro. Je l'ai montré comment faire des choses. Hein? Et à cette époque, il avait besoin de moi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il donne la chance? Non. Voilà pourquoi je suis là pour alerter. Et les gens doivent comprendre ce qui se passe. Le drame de l'Afrique, ce que l'Africain n'aime pas son parent africain. Le drame de l'Afrique, ce que l'Africain s'est trompé de cible. Les Africains se sont trompés de cible. Aujourd'hui, au lieu d'attaquer ceux qui font du mal, eux, ils font quoi? Eux, ils font le contraire. Ils font le contraire. L'ennemi de l'Afrique, ce sont les dirigeants, les dictateurs. L'ennemi de l'Afrique, ce n'est pas un combattant vrai. Ce n'est pas un résistant vrai qui se bat pour la libération de l'Afrique. Mais eux, aujourd'hui, l'ennemi de l'Afrique, ce sont les combattants vrais. L'ennemi de l'Afrique, ce sont les résistants vrais. Et qui le fait? Certains combattants qui sont sur la place de Paris. Parce qu'ils ne sont pas des combattants qui sont là pour le combat de la libération de l'Afrique réellement. Ils sont des combattants à la recherche des femmes. Ils sont des combattants à la recherche d'être des célébrités. Parce que eux, ils fonctionnent exactement comme les dictateurs. Et la vérité doit être dite. Ils sont là partout, vous verrez où s'il y a des manifestations. Quand il y a les trucs des Algériens, ils y vont. Et ils se mettent à attaquer les vrais. Ils commencent à parler sur les vrais. Hein? Mais quand vous entendez, vous vous dites, mais est-ce que vraiment, ils ont vraiment compris la vraie réalité des choses? Non, ils n'ont pas compris. Voilà pourquoi la vérité doit être dite. Et moi, je suis là pour la vérité. Parce qu'il y en a marre. Les gens se disent que les Sénégalais, ils sont là, la plupart, pour le bien de l'Afrique. Non, ils ne sont pas là pour le bien de l'Afrique. La majorité travaille pour la France. Il y a des Sénégalaises que je connais en France. Elles travaillent en France dans des grandes compagnies. Mais elles ne sont pas françaises, elles sont sénégalaises. Parce que pour la France, il faut donner l'opportunité aux Sénégalaises et aux Sénégalais qui travaillent pour la France. Et c'est ça. Sénégalais, vous allez voir, et Sénégalaises travaillent dans des grandes sociétés en France. Mais ils n'ont pas la nationalité française. Mais pourquoi ils travaillent dedans? Parce qu'il y a des liens, la France et le Sénégal. Macky Sall travaille pour le bien de la France. Il travaille pour le bien de l'Élysée. Donc, en échange, l'Élysée prend les compatriotes sénégalais qui sont dans les territoires pour travailler pour la France. Parce qu'ils font un grand boulot, immensément depuis au Sénégal, pour déstabiliser l'Afrique. Le reste de l'Afrique est déstabilisé par le Sénégal. Par le Sénégal. Et le reste de l'Afrique est déstabilisé par la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui dans les mains de Alassane Ouattara, qui est un Burkinabé, placé par la mafia de l'Élysée, Nicolas Sarkozy, en droit de merde. Et la vérité doit être dite. Les Sénégalais ont marché à Paris. Mais est-ce qu'ils étaient nombreux? Non. Non. Où sont-ils passés la majorité des millions de Sénégalais qui vivent sur les territoires en France? Pourquoi ils ne sont pas sortis? Parce qu'ils s'en foutent. Parce qu'ils s'en foutent. Nous allons vous... Je veux vous faire voir ici. Vous allez voir. Regardez. Combien de Sénégalais sont ici? Regardez.
Ils sont à Paris. Est-ce qu'il y a des milliers, des millions de Sénégalais qui sont là? Regardez. Vous compterez de doigts. Ils sont 20 Sénégalais. Regardez. Regardez. Vous voyez? Vous voyez? Ils sont une vingtaine, une trentaine. Mais est-ce qu'ils sont sortis en masse? Non! Parce que, au fait, la majorité des Sénégalais qui sont à Paris, les millions de Sénégalais, travaillent pour l'Élysée, pour le bien de l'Élysée, la déstabilisation du continent d'Afrique. Et c'est ce qui se passe. La vérité doit être dite. Et voilà pourquoi Macky Sall, le bien-aimé, hein? Macky Sall, le bien-aimé de la France, voilà pourquoi il est encore là, élu, mais pas élu par le peuple sénégalais, par la mafia de l'Élysée. Est-ce que les Sénégalais aiment la vérité? Non. La majorité d'entre eux, ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Dès que vous commencez à dire la vérité, vous devenez l'ennemi. L'ennemi numéro un. Et pourtant, l'ennemi, ça doit être les dictateurs africains. Mais pourquoi? Parce que la plupart des Africains n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. La plupart des Africains, quand vous dites la vérité, vous devenez leur roi, vous devenez leur ennemi. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Il y a des combattants, mais combattants du ventre. Combattants qui travaillent pour les services de la dictature. La vérité doit être dite. Il y en a qui travaillent pour l'Élysée, mais qui sont des combattants, mais ils travaillent pour le bien de l'Élysée. Il y en a qui travaillent pour le bien des dictateurs. Ils font que ça. Ils n'ont pas de travail en France. Ils n'ont pas de travail dans le reste de l'Europe ou aux États-Unis. Mais travaillent pour les dictateurs. Mais ils font semblant d'être des combattants. La vérité doit être dite. La mascarade du Sénégal, est-ce qu'elle va continuer pour déstabiliser le continent d'Afrique? La mascarade de Alassane Ouattara. Est-ce que le peuple africain va-t-il continuer à toujours assister à la mascarade de Alassane Ouattara ou à la mascarade de Macky Sall? Parce que les deux ennemis du continent d'Afrique, vous savez, Macky Sall, vous savez, Alassane Ouattara. Macky Sall, qu'est-ce qu'il avait dit avant? Il avait dit avant ceci. Kabila, il fait un bon travail. Kabila, c'est le bon président du Congo RDC. Il avait dit. Mais est-ce que Kabila, alias Kabila, est un homme bien pour le peuple congolais? Non, c'est un Rwandais Tutsi. Placé par la communauté internationale du sang. Qui ne sont que ceux qui nous dirigent en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Dans les pays européens et aux États-Unis, et ceux qui sont en Israël, ceux qui sont en Inde, Pakistan. Comment l'Inde et le Pakistan, des pays qui ne détiennent même pas ce que l'Afrique a, mais eux, le développement, ils sont bien. Ils ont en Inde pas mal des entreprises. Ils ont en Inde l'arme nucléaire. Pakistan, ils ont l'arme nucléaire. Est-ce qu'ils ont l'uranium? Non, ils n'ont pas l'uranium, mais ils ont l'arme nucléaire. L'Afrique n'a pas ça. Et voilà pourquoi les Africains doivent comprendre d'où vient le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique vient du Sénégal. Le Sénégal, Macky Sall, il travaille pour la destruction du continent d'Afrique. Et Alassane Ouattara, de la Côte d'Ivoire, qui n'est qu'un Burkinabé, il travaille pour la déstabilisation du continent d'Afrique. La vérité doit être dite. Les Sénégalais font des marches. Est-ce qu'ils sont nombreux dans les rues de France? Non, ils ne sont pas nombreux. Mais posez-vous la question, pourquoi ils ne sont pas nombreux?
Parce qu'au fait, il ne travaille pas pour le bien de l'Afrique. Ils ne sont pas là pour que l'Afrique sorte de la galère. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour la déstabilisation de l'Afrique. Voilà pourquoi les Africains doivent comprendre. Ils doivent comprendre. Et moi, je serai là toujours pour ouvrir les yeux, pour dire la vérité. Pour dire la vérité. Hein? Nous allons écouter ici quelque chose. Qu'est-ce que les gilets jaunes disent? Très important. Nous allons écouter ceci. Et après, nous allons écouter autre chose. Nous sommes ici à Lissani avec des gilets jaunes de plusieurs communes, de 93. Le fameux 9-3, bien placé pour parler d'immigration. Emmanuel Macron a annoncé vouloir ouvrir un débat national sur l'immigration et sur l'introduction du quota pour l'entrée des étrangers. Il s'agit en plus d'une tentative d'escamoter le débat sur l'injustice sociale et de diviser, de faire croire aux Français que la France est généreuse, voire trop généreuse, avec les pays du Sud ou du tiers-monde, et qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme on l'entend répéter trop souvent. C'est faux. C'est tout l'inverse. Et si M. Macron veut qu'on parle de migration, il faut que tout le monde sache ceci. La France ne possède ni mine d'or, ni uranium, ni pétrole, ni café ou cacao, ni coltan, ce minerai indispensable à la fabrication des avions ou des smartphones, par exemple. Et ce n'est pas le camembert français, si bon soit-il, qui peut lui servir de monnaie d'échange pour tout ce qu'elle ne possède pas. Alors la France a recours au pillage et à l'échange inégal. Après l'esclavage et la colonisation, la France continue à voler les ressources de nombreux continents, dont l'Afrique, en leur imposant des traités aberrants, des cultures intensives pour l'exportation, source de famine pour des millions de paysans et leurs familles, et en imposant des guerres. Il faut aussi parler des fameux biocarburants présentés comme écologiques. Les biocarburants ont ruiné l'agriculture de très nombreux pays du Sud. Ils nous sont vendus comme une source d'énergie alternative propre. Mais sait-on que pour produire ces agrocarburants, on brûle des millions d'hectares de cultures agricoles, une véritable tragédie pour les petits paysans et les éleveurs, notamment en Afrique. Et la production des agrocarburants nécessite beaucoup d'eau. Il en faut 4000 litres pour obtenir ne serait-ce qu'un litre de bioéthanol. Le réservoir d'une voiture de taille moyenne, fonctionnant au bioéthanol, contient 50 litres. Pour fabriquer 50 litres de bioéthanol, il faut détruire 358 kg de maïs. Avec 358 kg de maïs, un enfant zambien ou mexicain vit une année entière. Même chose avec l'huile de palme utilisée pour la fabrication des agrodiesel. Au Cameroun, c'est le groupe français Bolloré qui a fait main basse sur une grande partie de palmeraie. Il a signé un bail de 60 ans en 2000. Sur 58 000 hectares de terre pour produire de l'huile de palme. Et détruit pour cela des forêts primaires qui sont un des principaux puits de carbone de la planète après l'Amazonie. L'écrivain suisse Jean Ziegler a écrit « Sur une planète où toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim, détourner des terres vivrières et brûler de la nourriture en guise de carburant constitue un crime contre l'humanité. Quand les grands groupes français implantés en Afrique comme Bolloré ou Villegrain se vantent des bienfaits qu'ils apportent sur place en construisant infrastructures, ils ne disent pas comment ils expulsent les familles entières de leurs terres ancestrales, comment ils détruisent leurs potagers et leurs vergers, leur savoir-faire, transmis de génération en génération en matière de connaissance des sols et de sélection des graines. Le groupe Villegrain, qui possède la société sucrière du Cameroun, détient plus de 22 000 hectares de terre dans ce pays, après avoir signé un bail de 99 ans avec le gouvernement de Yaoundé pour les exploiter. En échange, Villegrain a versé aux communautés affectées
une indemnité annuelle de 2 millions de francs CFA, soit l'équivalent, tenez-vous bien, de 5 euros par famille et par an. Prenons le cas du Niger, une néocolonie française. Censé être le deuxième pays le plus pauvre de la planète, c'est pourtant le deuxième producteur d'uranium au monde. Pour nous fournir de l'électricité par le biais des centrales nucléaires, Areva importe près de 40% de sa production d'uranium du Niger. Mais depuis plus de 50 ans, Areva ne reverse qu'une redevance ridicule de 5,5% sur les milliers de tonnes d'uranium naturel qui sont extraites du Niger. Ainsi, la population nigérienne ne bénéficie d'aucune retombée économique. Elle n'a droit qu'aux conséquences de l'exploitation de son propre uranium, c'est-à-dire les contaminations radioactives, notamment de l'eau, les énormes masses de déchets radioactifs stockés à l'air libre, sans compter la désertification qui ruine l'économie pastorale. Areva a déjà épuisé à 70% l'aquifère carbonifère des régions qu'elle exploite dans ce pays, à raison de 22 000 mètres cubes d'eau par jour, et cela depuis plus de 40 ans. Ajoutons que la ruine du Niger ne concerne malheureusement pas que l'uranium. Avec ses 20 millions de têtes de bétail, le pays pourrait en fait connaître une relative prospérité. Mais voilà, le Fonds monétaire international, le FMI, a imposé la fermeture des services vétérinaires locaux afin d'ouvrir le marché aux multinationales étrangères. Le FMI, un organisme dont la direction est toujours assurée par l'ex-ministre de Sarkozy, Christine Lagarde, resté en poste malgré ses ennuis avec la justice française, a également imposé au Niger la destruction de ses propres stocks de céréales au nom du sacro-saint principe du libre-échange. Conséquence, plus de stocks pour faire face aux aléas et la famine attaque désormais ce pays africain tous les deux ans. Qu'on ne s'étonne pas ensuite si les Touaregs se révoltent contre cette situation ou si des Nigériens essaient d'émigrer. Prenons un autre exemple, celui du Sénégal. Au Sénégal, les sociétés françaises comme la Fruitière de Marseille, dont les principaux actionnaires sont les grandes chaînes de supermarchés françaises, se font attribuer des dizaines de milliers d'hectares de terre pour des durées illimitées, avec une exemption d'impôt de 99 ans. Elles produisent des fruits et des légumes dont 98% sont exportés vers l'Europe. Traditionnellement, la terre rurale n'appartient à personne dans la plupart des pays africains. Il n'y a pas de cadastre rural. Les communautés paysannes possèdent un droit d'usufruit illimité des terres qu'elles occupent. Mais par d'obscures négociations qui se déroulent à Dakar entre l'État et les multinationales françaises et étrangères, les paysans se retrouvent dépossédés de leurs terres avec la complicité de fonctionnaires sénégalais grassement récompensés. Une des techniques utilisées par les oligopoles, le mot « olive » venant du grec et voulant dire « tout petit nombre », pour ruiner un grand nombre de pays à leur profit, c'est aussi le « dumping », c'est-à-dire une baisse artificielle et temporaire des prix qui permet d'éliminer les concurrents locaux et ensuite de fixer les prix alimentaires à la hausse. Tout ceci avec l'aide de forces... Nous avons écouté les gilets jaunes. Ils ont donné les détails. Macky Sall, qui n'est que l'ennemi juré de l'Afrique, qui n'est que là pour détruire l'Afrique. Macky Sall, le meilleur champion de la destruction de l'Afrique. Macky Sall fait hyperment du mal à l'Afrique. Mais Macky Sall est l'aimé, je vous dis, l'aimé de l'Élysée. Macky Sall travaille éperdument pour le bien de l'Élysée. Et vous avez la majorité des Sénégalais ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui. La plupart des Sénégalais travaillent pour le bien de l'Élysée. Et la vérité doit être dite.
Est-ce que vous avez vu du monde sénégalais dans les marches des Sénégalais contre Macky Sall? Non. Et pourtant, ils sont des millions à Paris. Mais ils ne se lèvent pas. Quand il y a des activistes, des combattants africains qui se lèvent contre la dictature en Afrique, est-ce que vous voyez le monde des Sénégalais sortir? Non, ça ne leur intéresse pas. Ce qui leur intéresse, c'est monnaie, 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 l'argent. Les Sénégalais aiment beaucoup l'argent. L'argent, les femmes est bouffé. Il n'y a que ça. Et faire un boulot pour déstabiliser l'Afrique. Et c'est le jeu des Sénégalais. C'est la mission que la France a donnée aux Sénégalais pour la destruction de l'Afrique. Empêcher que l'Afrique sorte de la merde. Et ils sont en train de faire un grand travail pour la France. La vérité doit être dite. Il y a pas mal quand ils voient les Sénégalais. Ils se disent qu'ils sont là pour notre bien. Mais ils ne sont pas là pour nos biens. Eux, ils s'en foutent du continent d'Afrique. Les Sénégalais, vous les verrez dans les pays, dans les restes des continents d'Afrique, ils sont pleins. Ils font des commerces. Mais est-ce qu'au Sénégal, un Africain peut, d'un autre pays d'Afrique, peut faire du commerce au Sénégal? Non! Non! Mais Sénégalais, il fait du commerce au Congo-Brazzaville, chez moi. Il fait du commerce en RDC. Il fait du commerce au Gabon. Il fait du commerce au Cameroun, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Mais au Sénégal, un Africain venant d'un autre pays d'Afrique ne peut pas faire des activités au Sénégal. La vérité doit être dite. Parce que pour le Sénégal, c'est à eux. Pas pour les autres peuples africains. Et les Africains doivent comprendre que le Sénégal, les Sénégalais, la majorité ne sont pas là pour nous. Les Africains doivent le comprendre. Les Africains doivent comprendre. La majorité des Sénégalais, ils ne sont pas là pour le bien de l'Afrique. Voilà pourquoi moi je continuerai à dire la vérité. Et peu importe ceux qui seront contre moi. Parce que moi j'aime la vérité. Et Dieu aime la vérité. L'Afrique sortira que par la vérité. L'Afrique ne sortira pas par le mensonge. L'Afrique ne sortira pas par la tricherie. Celui qui fait les métros à Paris, hein? Celui que la plupart des Sénégalais troubadours et des Congolais troubadours sont en train de monter contre les autres combattants, en train de dire des mauvaises choses parce qu'ils font leur petit club, mais ils oublient que nous avons fait tous un combat pareil. Mais aujourd'hui, ils sont en train de monter les uns et les autres. Ils oublient quelle est vraiment la vraie directive. Quelle est vraiment la vraie mission. Mais la vraie mission, c'est les dictateurs en Afrique. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent les vrais résistants. Ils attaquent les vrais combattants. Hein? La vérité doit être dite. Pourquoi? Parce que la vérité, ils n'aiment pas la vérité. À l'époque de l'ambassade du Gabon, regardez bien les images. J'étais tout le temps avec les Gabonais. Et en train de les aider. Et la France, quand la France, l'Élysée me regardait, l'Élysée avait une haine éperdument. François Hollande à cette époque, le corrompu. Mais aujourd'hui, vous allez voir, celui qui fait les métros, qu'on l'appelle l'homme de demain pour le Congo, soi-disant. On lui monte la tête contre ses collègues. Et ça, c'est aimé dans la diaspora. La division. Et qui sont derrière? Certains Congolaises, certains Congolais et certains panafricanistes. Parce qu'ils aiment monter les autres contre les autres. Et ils sont contents. Mais ils ne savent pas que on ne monte pas les autres contre les autres. Parce que moi, je suis le tiers africain. Personne. Moi, je me suis levé dans le combat de l'Afrique parce que Dieu,
Dieu, depuis mon enfance, depuis dans le ventre de ma mère, Dieu avait mis une mission spéciale pour moi. Moi, je ne me suis pas levé comme ça, hein, pour dire combattant, non, je ne me suis pas levé comme ça. Je sors d'une grande famille, j'aurais pu chercher l'argent, j'aurais pu chercher tout ce que je veux. Mais est-ce que j'ai pensé à cela? Non, j'ai pensé au bien du peuple africain. Est-ce que les autres mangent à leur faim? Est-ce qu'ils sont soignés proprement? Est-ce qu'ils ont l'eau potable qui coule dans les robinets? C'est ça mon problème. Je veux le bien de l'Afrique, l'Afrique entière. Il y en a marre que le continent d'Afrique souffre. Nous avons tous les minéraux, mais le peuple africain souffre. Il y a un problème. Voilà pourquoi la vérité, elle doit être dite. Macky Sall ne travaille pas pour le bien de la France. Il travaille pour le bien de la France, mais pas pour le bien du Sénégal. Il travaille pas pour le bien de l'Afrique, mais pour que la France, pour l'Élysée. Macky Sall, il travaille vraiment pour l'Élysée, parce qu'il est convaincu du bon travail d'Emmanuel Macron. Vous avez pas mal de jeunes filles sénégalaises qui sont des copines des blancs français à Paris. Vous avez des femmes sénégalaises mariées à des blancs. Mais essayez de comprendre. L'Afrique va mal. Nous avons des choses qui se déroulent en Afrique invraisemblables. Aujourd'hui, l'Afrique va mal. Ce que la France veut pour l'Afrique, c'est ça. Qu'on voie que le sang, il y a trop de sang. Ce que la France veut pour l'Afrique, c'est ça. Tuer les Africains. Pourquoi? Parce que nous avons immensément des minéraux. Et il faut qu'on tue les Africains. Et c'est ce qui se passe en Afrique. C'est ce qui se passe en Afrique. La France fait éperdument mal. Fait éperdument mal. Et les Africains sont toujours là, en train de tolérer. Hein? Vous avez des Africains traîtres qui travaillent pour la France. Ils ne travaillent pas pour le bien du continent de l'Afrique. Vous avez des Africains qui travaillent éperdument pour la déstabilisation du continent de l'Afrique. Parce que pour eux, il faut casser l'Afrique. Regardez un pays comme le Congo-Kinshasa, démocratique, qui est le cœur du monde, le cœur économique du monde, mais le Congo-RDC, ce qui se passe là-bas, des choses inacceptables, qui sont tolérées et on force aux gens d'accepter. Vous avez des gens qui disent, ok, Félix a été placé par Kabila, acceptons seulement. Est-ce que ce qui se passe au Congo RDC peut se dérouler en Angleterre, ou en France, ou au Canada, ou ailleurs? Non! Aucun pays du monde pourra accepter, mais toutes les conneries se déroulent au Congo RDC. Et les gens veulent que les gens acceptent, mais on ne peut pas accepter. Moi, quand je suis contre mon père, mais je sais pourquoi je suis contre mon père, parce que mon père est là pour la déstabilisation de l'Afrique. Il est là, il pense qu'à son argent. Et moi, ceux qui pensent qu'à l'argent, je suis contre. Parce que nous sommes là pour le bien du développement de l'Afrique. Nous sommes là pour la libération totale de l'Afrique. Voilà pourquoi moi, je me lève. Parce que Dieu a mis quelque chose en moi pour le bien, la libération du continent d'Afrique. Et je continuerai à me battre pour cela. Avant que je quitte cette terre, il faut que l'Afrique soit libérée. Et l'Afrique sera libérée au nom de nos ancêtres. Parce que Macky Sall, il travaille pour le bien de l'Élysée. Alassane Ouattara, pareil. Je vais lire ce que le collègue ici a écrit. Mon vieux, je suis sénégalais, mais certains ne m'ont pas
fier d'être sénégalais. J'ai honte d'être sénégalais. Voilà. Il est écrit ici et c'est la vérité. Il a honte d'être sénégalais parce que les Sénégalais, la majorité, travaillent pour la déstabilisation de l'Afrique. Et c'est comme certains Africains sont à Paris. Mais ils sont là spécialement pour travailler pour la déstabilisation du continent de l'Afrique. Voilà pourquoi l'Afrique va se libérer. Que les gens le veulent ou pas. Hein? Il y a des gens qui empêchent, mais ça va se libérer. Parce que Dieu, il ne peut pas tolérer que. Il a créé l'homme noir en premier. Il ne peut pas accepter que l'homme noir soit violenté sexuellement. Aujourd'hui, en Afrique, le viol est toléré. Le viol, c'est l'arme. L'arme identique pour la destruction de chaque génération future. La femme est devenue une arme de guerre. Les enfants sont devenus des enfants exploités pour les mines. Il faut creuser, aller chercher le cobalt, le coltan, le tantal. Et il faut aller chercher le diamant, l'or et d'autres minéraux. Les enfants sont exploités. Et on croit qu'on va continuer à être là et assister tout ce qui se passe. Moi, je dis non. Vous avez menti. L'Afrique doit sortir. Doit sortir du grand piège. Du grand piège de la France. Voilà pourquoi Macky Sall. Macky Sall, il n'est pas là pour le bien du peuple, de toute l'Afrique. Non, il est là pour la destruction du continent de l'Afrique. Macky Sall, est-ce qu'il est là pour le bien de la libération du continent de l'Afrique? Non, il est là pour la destruction du continent de l'Afrique. Vous allez voir certains Sénégalais quand ils parlent. Quand ils parlent, mais vous allez dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils imitent l'homme blanc. Ils se comparent à l'homme blanc. Vous avez des Sénégalais, c'est rouler dans des belles voitures et se parfumer avec des parfums qui coûtent vachement cher. Et ils se moquent des autres parents africains qui sont africains comme eux. Essayez de comprendre. Surtout les Sénégalais qui ont fait les pays arabiques. Ils sont très mauvais vis-à-vis des autres Africains. Mais la vérité doit être dite. Ici, regardez Macky Sall et Emmanuel Macron. Regardez. Les photos parlent. Regardez. Regardez. C'est là où vous sentez que Macky Sall est vraiment au service de la France. Il fait tout le boulot sale pour la France. Macky Sall fait tout le boulot sale pour la France. Souvenez-vous, Emmanuel Macron, quand il était placé à l'Élysée, même pas 2 mois, le premier ministre Philippe, il a invité le premier ministre sénégalais et les députés sénégalais et la plupart des gouvernements sénégalais, ils étaient à Matignon chez le premier ministre français. Essayez de comprendre. Hein? Parce que le clan Macky Sall travaille pour le bien de l'Élysée. Il travaille pour le bien de l'Élysée. Et Macky Sall travaille pour la déstabilisation du continent de l'Afrique. Tout ce qui se passe au au Congo RDC. Macky Sall, mais attendez. Un jour, quand le Congo RDC va être libéré, vous allez entendre le nom de cet homme-là, Macky Sall, apparaîtra. Parce que le Sénégal joue éperdument pour la destruction du continent de l'Afrique. Il y a des gens qui croient que les Sénégalais sont pour nous. Ils ne sont pas pour nous. Non. Ils ne sont pas pour nous. Ils ne sont pas pour nous. Regardez ici Macky Sall et Emmanuel Macron. Regardez dans une fête. Regardez. Regardez. Vous voyez? Il écoute attentivement son maître. Regardez. Hein? Macky Sall travaille pour la France. Il travaille pour l'Élysée.
parce que Emmanuel Macron dit à Macky Sall beaucoup de choses. Et il lui dit la déstabilisation du continent de l'Afrique. Et Macky Sall, il est pour. Et c'est ce qui se passe. La déstabilisation. Il faut casser l'Afrique. Il faut empêcher que l'Afrique sorte de la mascarade. Et ça marche. Macky Sall travaille pour cela. Les photos parlent. Les photos parlent. Regardez ici. Macky Sall et Emmanuel Macron. Regardez. Voilà pourquoi les Sénégalais doivent comprendre que Macky Sall est l'ennemi du Sénégal. Macky Sall est l'ennemi de toute l'Afrique. Voilà. À l'époque, si vous vous souvenez, Macky Sall avait dit ceci. Kabila est un bon président pour la RDC. Le peuple doit encore le révolter. Mais attendez. Alias Kabila est bon pour le Congo? Et c'est ce qui se passe avec Étienne. Félix alias Étienne Tshisekedi. Kabila 2. Qui n'est que l'esprit de Kabila. Parce que Félix n'est que l'étiquette de Kabila. Félix n'est pas le président de la RDC. Il n'est qu'une marionnette. Et la vérité doit être dite. Voilà pourquoi les Sénégalais doivent comprendre. Vous avez vu l'élection. L'élection de Macky Sall, qui n'est qu'une tricherie. Nommée par l'Élysée. Et non par le peuple sénégalais. Mais est-ce que quand les Sénégalais ont fait une marche à Paris et ont fait devant l'ambassade du Sénégal, est-ce qu'il y avait du monde? Non. Non. Parce que les Sénégalais s'en foutent des problèmes qui se déroulent au Sénégal ou dans le reste du continent de l'Afrique. Ils s'en foutent. Eux, c'est l'argent. Voilà pourquoi la plupart des Africains ont préféré suivre l'argent que la libération de l'Afrique. La plupart des Africains préfèrent l'argent que de libérer l'Afrique. Parce qu'ils sont convaincus à la destruction de l'Afrique. La plupart des Africains, leur objectif, c'est que l'Afrique reste toujours en bas. Que la femme africaine puisse se mettre debout et faire le trottoir, vendre son corps. Parce que la prostitution, quand vous voyez une fille, une dame africaine, debout dans les trottoirs de l'Europe ou aux États-Unis, vendre son corps. Mais vous savez c'est quoi? C'est dénigrer Nkimpa Vita. C'est dénigrer Simon Kimbangu. Mais c'est dénigrer tous nos ancêtres. Parce que la femme noire, c'est une lumière de la terre. Mais qu'est-ce qu'on fait? La femme noire, tous les sales boulots, il faut qu'elle soit debout. Il faut qu'elle le fasse. Parce qu'il faut amuser la galerie. Et la vérité doit être dite. Quand je dis que Macky Sall n'est pas là pour le bien du peuple sénégalais, n'est pas là pour le bien du continent de l'Afrique, mais je sais de quoi je parle. Les Sénégalais, la plupart, je les connais. J'ai des amis sénégalais. Je connais qui ils sont. Ils ne sont pas là pour le bien de l'Afrique, la destruction de l'Afrique. Je vais lire ce que un parent ici écrit. Merci beaucoup, mon grand. Je valide à 200% beaucoup d'Africains sont devenus des couilles molles, toujours à la merci des colons. Voilà, merci. Ça, c'est bien dit, ça. Hein? Ça, c'est bien dit. Hein? C'est bien dit. Hein? Attention à la division, ne généralisons pas, mon frère. Hein? C'est exactement ça. Oui, mais c'est la vérité. Hmm? Bonsoir à tous ceux qui viennent de joindre ce direct. Nous avons besoin de nous entendre, et d'être debout tous pour la libération du continent de l'Afrique.
Et si nous voulons que l'Afrique s'en sorte, que l'homme noir ne soit plus martyrisé, acceptons que le Congo RDC se libère rapidement. Mais se libère en faisant partir alias Kabila, en faisant partir Félix Tshisekedi. Et c'est là où toute l'Afrique sortira de la merde. Et en faisant tout que Macky Sall, qui a été élu par l'Élysée, dégage du Sénégal. Parce qu'il y a des Sénégalais qui peuvent diriger le Sénégal pour le bien de tous les Sénégalais. Et moi, c'est ce que je veux. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Élysée, tellement ils ont l'œil sur le pétrole de Dakar, du Sénégal. Parce qu'en Casamance, il y a beaucoup de pétrole. À part la mer. Mais vous avez la terre en Casamance. Il y a beaucoup de pétrole. Et il y a le gaz. Donc pour la France, il faut déstabiliser. Il faut que le Sénégal, toujours que leur marionnette, soit là. Parce que Macky Sall, c'est la marionnette de la France. La vérité doit être dite. Ici, le parent écrit. Les Sénégalais en sont conscients. Beaucoup se sont levés au Sénégal. Et beaucoup se sont fait réprimander et mis en prison. Voilà, parce que c'est la dictature. Mais est-ce que les millions de Sénégalais qui vivent en France ou dans les restes de l'Europe aux États-Unis, est-ce qu'ils se lèvent? La majorité ne se lève pas. Parce que la majorité travaille pour la dictature de Macky Sall, pour le bien de l'Élysée. La vérité doit être dite. L'Africain aujourd'hui doit dire la vérité que le malheur du Sénégal, c'est l'Élysée. Que le malheur du Congo RDC, c'est l'Élysée. Le malheur du Congo Brazza, l'Élysée. Le malheur du Gabon, l'Élysée. Le malheur de toute l'Afrique, l'Élysée. Les politiciens ont séquestré le peuple sénégalais. 70% des Sénégalais ne sont pas d'accord avec ces élections. On a eu son coup. Frère, un Thomas Sankara. Voilà. Voilà pourquoi les Sénégalais doivent se réveiller. Mais est-ce qu'une majorité des peuples sénégalais se sont réveillés? Non. Une minorité, mais une grande majorité. Ils ne veulent pas la libération du Sénégal. Ils veulent que manger. Parce que la plupart, c'est avoir l'argent. C'est avoir des belles voitures, avoir pas mal de maîtresses, avoir 2-3 femmes et larguer les autres. Et tout ça, c'est bien calculé par la France. Le franc CFA que vous voyez, la monnaie, là, la monnaie du CFA. Mais ce n'est pas seulement la monnaie. Hein. C'est y compris dans toute la mascarade de la destruction du continent de l'Afrique. Voilà pourquoi les Noirs doivent ne plus dire que l'Afrique, l'esclavagisme a été aboli. Non, grandement faux. L'esclavagisme n'était pas aboli. L'esclavagisme a pris une autre forme. Et ça, c'est la vérité. Et la vérité doit être dite. Peuple africain, réveillons-nous. Nous avons un ennemi tangible. L'ennemi tangible de l'Afrique, c'est l'Élysée. L'Élysée est l'ennemi tangible de l'Afrique. L'Élysée est l'ennemi tangible du peuple noir. Parce que même les Antillais sont opprimés dans leur terre aux Antilles. Martinique, Guadeloupe, Guyane et ailleurs. Les îles françaises, ils sont martyrisés par des béquets. Les béquets sont les arrière-petits-fils des colons. Et parmi les multinationales en Afrique, vous avez des béquets. Ils ont des grands hectares de terre et les autres n'ont rien. Essayez de comprendre. Je vais lire ce que le frère écrit. C'est le problème de tous les Noirs. Partout en Afrique occidentale, notre problème c'est les Français et leurs sous-préfets. Voilà, ça c'est la vérité. Et l'armée française n'est que une armée qui est placée pour la destruction du continent de l'Afrique.
L'Afrique va mal parce que il faut déstabiliser tous les domaines. Et pour que l'Afrique s'en sorte, il faut que le peuple africain puisse comprendre que nous avons besoin tous d'être un. Sauvons le Congo RDC. Acceptons que lier le changement au Congo et non que lier la tricherie, les massacres de chaque être humain. Parce que ce qui se passe au Congo RDC touche toute l'Afrique. Tant que le Congo RDC, il n'y aura pas la vérité des urnes électorales. Tant qu'au Congo RDC, il y aura toujours les voleurs des élections qui seront là. Tant qu'il y aura toujours le tueur des Congolais qui sera là, toute l'Afrique ira mal. Le vrai problème, c'est la libération du Congo RDC. C'est le cœur central de toute l'Afrique. Je vais lire ce que les parents ici ont écrit. Voilà, frère, le Sénégal et les Sénégalais sont que des victimes du même système colonial. On a le même problème partout. Voilà, ça c'est la vérité. Ils ont même oublié que la France a tué beaucoup des tirailleurs à Tchao. Voilà, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Voilà pourquoi j'aime bien. J'aime bien écouter la vérité des parents africains. Parce qu'il y a des parents africains, ils ont la tête. Et ça, c'est la vérité. La vérité. Le 19-03 à 13h, rendez-vous au tribunal de Paris pour les réparations contre les crimes contre l'humanité de la France. Voilà. Ici, le frère dit, c'est des gangsters mafieux de la destruction et de la déstabilisation de l'Afrique. Bravo, c'est la vérité. Nous avons besoin que l'Afrique sorte de la merde. Regardez ce jus que je suis en train de boire. C'est le jus de mangue. Le jus de mangue. Regardez, c'est le jus de mangue que je suis en train de boire. Est-ce que l'Europe a des mangues? Est-ce qu'ils ont des manguiers? Mais tout ça, ça vient de l'Afrique. Regardez, le jus de mangue. Le jus de mangue. Est-ce que l'Europe a des manguiers? C'est ce que je suis en train de boire, mais ça vient de l'Afrique. Vous voyez, l'Afrique est le cœur central du monde. Mais regardez comment on tue les Africains. Dès que vous allumez seulement la radio africaine, il n'y a que les morts, des morts, des morts. Les viols, les massacres. Dès que vous rentrez sur des chaînes africaines, on vous montre que les gens qu'on tue, les gens qu'on massacre. Mais vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe avec l'Afrique? C'est le jeu des colons, la déstabilisation de l'Afrique. Mais voilà pourquoi les migrants viennent en masse en Europe. Et les Européens sont fatigués, ils en veulent plus. Et voilà pourquoi l'Italie pointe de doigt la France. C'est des gangsters mafieux de la destruction et la déstabilisation de l'Afrique. Le frère a raison. Pour la première fois au Sénégal, on a eu un candidat aux élections avec l'esprit de Thomas Sankara. Il s'appelle Ousmane Sonko. Et les corrompus de politiciens l'ont combattu. L'ont combattu. Oh non, Dieu le Père. Oui, l'ont combattu. Attends, il faut que je lise ça. Ça va tellement vite, excusez-moi. Son corrompu des politiciens l'ont combattu, mais il a reçu un vote
Oui, oui. Corrompu politicien l'ont battu, mais il a reçu un vote massif du peuple. On peut dire même que c'est lui qui a gagné les élections au Sénégal. Si Macky Sall n'avait pas volé les élections, voilà. Mais ça, c'est la vérité. Macky Sall n'est qu'un voleur. Il était dans leur grotte. Ces gens-là, qu'ils y retournent. Voilà. Ça, c'est la vérité. Les Français, les Blancs que vous voyez en France, toujours vécu dans des grottes. Dans des grottes. Ousmane Sonko veut se séparer de la France et du franc CFA. Il l'a dit, il veut à tous rompre avec la France. Bravo, mais bravo, bravo. Je vais relever le nom de ce monsieur-là et je vais mettre sa photo et je vais faire un direct demain pour lui. Demain, je vais parler pour ce monsieur. Merci de m'avoir mis le nom de ce monsieur. Merci, parents. De m'avoir mis le nom de celui qui a gagné aux élections au Sénégal. Je vais mettre tout à l'heure ces photos et je parlerai de lui. Merci beaucoup. Et la France, son objectif, c'est de casser le Sénégal. Et ils sont en train de travailler à fond. Et c'est de casser le bien de l'Afrique. Mais on ne va pas accepter. Macky Sall, l'ennemi juré du peuple. Macky Sall, l'ennemi juré. Je vais maintenant ici mettre le nom de celui qui a gagné aux élections au Sénégal. Parce que c'est important. D'accord. Donc c'est celui-là. Voilà. Quand nous voyons une personne ainsi, voilà. Il a le charisme de quelqu'un qui veut le bien du peuple sénégalais et qui veut le bien du peuple du continent de l'Afrique. Voilà un exemple. Voilà. Et ce jeune-là, c'est un homme qui est détesté par la France. Mais et pourtant, lui, il est là pour le bien du peuple. Il est là pour le bien du continent de l'Afrique. Ça, c'est vraiment un homme qui a l'aspect de Thomas Sankara. Voilà pourquoi les Sénégalais doivent continuer à combattre Macky Sall. Il ne faut pas avoir peur. Il faut continuer. Parce qu'il n'y a que dans le combat, la lutte, que l'Afrique sortira du gouffre. Il n'y a que ça. Parce qu'on ne peut plus accepter les mensonges, la tricherie. On ne peut plus. On ne peut plus. On ne peut plus. Voilà des gens qui veulent le bien de l'Afrique. Voilà. Et nous avons besoin. Et ici, le parent dit, ils l'ont traité de nationaliste, de raciste, de populiste, et il n'est pas franc-maçon, ni vendu. Il veut la libération de l'Afrique. Voilà. Et ça dérange la France. Longue vie à ce monsieur. Longue vie. Que Dieu le protège. Longue vie. On est juste pris en otage par des francs-maçons en costard. Voilà. Et c'est la vérité. Le CFA, c'est la monnaie du singe. On n'en veut plus en Afrique. Ousmane Sonko, c'est le nouveau Sankara.
On a besoin des hommes forts. En Afrique, des vrais guerriers. Voilà. 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 Et nous avons besoin de continuer à être debout pour cet homme. Pour cet homme. Et moi, je ferai un direct demain pour ce grand homme. Pour ce grand homme. Ousmane Sonke. Je ferai demain un direct pour lui. Je ferai demain un direct pour ce grand homme. Ce grand homme. Hein? Je ferai un grand direct pour lui. Hein? Donc, parce que ce n'est pas un franc-maçon, et la France n'en veut pas. La France n'en veut pas parce que ce n'est pas un franc-maçon. Parce que c'est quelqu'un qui veut le bien de l'Afrique. Et je ferai un direct pour lui. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Un homme qui a le charisme pour la libération de l'Afrique. Mais Ousmane Sonko n'est pas aimé. Il n'est pas aimé de la France. Parce que la France ne veut pas le bien du peuple africain. Quand vous avez Emmanuel Macron qui est allé au Burkina Faso, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Ils ont empêché les vrais étudiants qui avaient la tête pour l'Afrique de rentrer dans la salle où ce qu'il était. Ils ont mis ceux qui étaient déjà tracés pour faire le sale boulot de la France. Voilà. Mais tout le jeu de la France va finir, hein, parce que Dieu ne dort plus. Vous savez, il y a des agents sur terre que Dieu envoyait. Les agents de l'Armageddon. L'Armageddon. Dieu envoyait pas mal de ses agents pour frapper les sectes Illuminati, les sectes francs-maçons. Parce que c'est eux qui sont à l'origine de tout ce qui se passe en Afrique. Sassou Nguesso est le chef des francs-maçons en Afrique. Félix Tshilombo, tout le temps il allait au Congo-Brazzaville. Et moi j'avais signalé pas mal des combattants de la RDC. J'avais dit, celui-là, Sassou en train de le préparer. Et voilà. Peuple congolais, il faut ouvrir les yeux. Peuple africain, ouvrez les yeux. Le mal de l'Afrique, c'est la franc-maçonnerie, les Illuminati. Le mal de l'Afrique, c'est le franc CFA. Rien qu'avec ce papier, qui n'est que le papier hygiénique. Qui n'est que le papier hygiénique. Can you have one paper, toilette ou paper, please? No, I want to show one thing. Sorry. Le franc CFA n'est que le malheur de l'Afrique. Et c'est ce franc CFA qui fait que l'Afrique est déstabilisée. Le franc CFA n'est pas là pour le bien de l'Afrique. Qui dit le franc CFA, imprimé par Chamalière, dit les toilettes, les papiers de toilette. Le franc CFA, c'est les papiers des toilettes. Voilà pourquoi tous les Africains maintenant doivent s'essuyer avec le franc CFA dans les toilettes. Il ne faut plus payer rien du tout avec le franc CFA. Parce qu'il faut se débarrasser de cette monnaie qui n'est qu'une monnaie coloniale, une monnaie pour la déstabilisation du continent de l'Afrique. Le franc CFA est égal papier hygiénique, papier de toilette. C'est le papier de toilette, le franc CFA. Papier de toilette. Et ça doit être mis dans la tête de tous les Africains. Maintenant, les Africains, quand vous avez des enfants dans les ventres de vos femmes, des bébés encore dans le ventre, il faut que vous parlez à vos enfants. Vous devez dire ceci. Petit, tu vas naître sur la terre de l'Afrique. Mais dès que tu vas être naître, sortir petit, dès que tu verras l'homme blanc à l'âge de 6 ans, cours, fuis. Et vous devez dire, dès que vous voyez un blanc, dès que vous allez naître en Europe, dès que vous voyez l'homme blanc, cours. Il faut apprendre ça aux enfants. Parce que l'homme blanc, c'est un barbare. La plupart des Sénégalais sont conscients des enjeux si la France n'avait pas magouillé ces Ousmane Sonko.
qui aurait été notre président. C'est l'incarnation de Thomas Sankara. Tout le monde l'a dit. Voilà. Voilà, c'est la vérité. Oui, le mal de l'Afrique, c'est la franc-maçonnerie. Bravo. Mais quand vous entendez la franc-maçonnerie, ce n'est que l'Élysée. L'Élysée, c'est le siège de la mafia. L'Élysée est une mafia plus dingue que celle de Al Capone. L'Élysée, mais attendez, c'est eux qui ont fait le programme de la déstabilisation de l'Irak, la déstabilisation de la Libye. C'est eux qui sont en train aussi de faire à ce qu'il y ait la déstabilisation à fond du Congo RDC. Comment vous pouvez expliquer ceux qui se disent pays de droits de l'homme? Ils acceptent les tueries qui se passent au Congo RDC. Ils acceptent les viols. Mais il y a un problème. Comment vous pouvez dire ceux qui disent pays de droits de l'homme en France, liberté, égalité, fraternité, mais ils acceptent que Macky Sall arrête les Sénégalais et les mette en prison? Est-ce que c'est normal? La France est l'ennemi de l'Afrique. Pourquoi la France est l'ennemi de l'Afrique? Nous allons voir quelque chose. Nous allons voir quelque chose. On va voir quelque chose. Sur le processus de formation.
l'argent, parce que comme on l'a dit, hein, que ce soit le pétrole ou le gaz, ça revient d'abord sur des questions liées aux matières organiques. Certains même disent on a du pétrole quand nous avons les algues, en contamination avec les sédiments qui passent par ce processus d'enfouissement, ce qui donne même cette création de kérosène. C'est avec cette kérosène à la limite aller dans des profondeurs beaucoup plus lointaines où on n'a pas, où on a cette zone anaérobie qui commence à faire ce que l'on appelle la cuisine d'hydrocarbures. Donc à partir de là, on peut parler de pétrole. Du coup, l'origine du pétrole vient des algues. Mais quand il s'agit du gaz également, c'est le même processus. Mais généralement, on dit que le gaz également tire son origine avec la végétation. Donc c'est ce qui différencie un peu la question liée au pétrole et au gaz. Et si je reviens un peu sur l'état également de la découverte, il faudrait rappeler que le Sénégal, non seulement est un pays côtier, mais qui est divisé donc à travers la définition des blocs. Nous avons 18 blocs sur le territoire sénégalais. Donc nous avons 8 blocs en onshore, c'est-à-dire sur la terre fermée, la terre continentale, et 10 blocs en offshore, c'est-à-dire en mer. Mais pour le moment, si je reviens un peu sur l'actualité, nous avons des réserves importantes en hydrocarbures, c'est-à-dire en pétrole et en gaz. Peut-être je ne vais pas revenir sur l'aspect onshore dans le jugement de Djinder, mais nous avons du pétrole en 2014 dans le bloc de Sangomar offshore profond, avec les deux premiers puits, que ce soit SNE et FAN, parce que ce sont ces deux premiers puits qu'on avait au départ. Et lorsqu'on a passé à l'étape de forage, on a estimé qu'il y avait une réserve estimée à autour de 1,5 milliard de barils. Même l'année suivante, qui est l'année 2015, il y a encore une autre découverte de gaz naturel qui a été faite également par Cosmos Energy dans le bloc de Saint-Livre-Cher Profond, précisément dans le puits de Gumbel 1. L'année 2016, il y a également une autre découverte de gaz naturel dans le bloc de Kair Offshore Profond, précisément dans le puits de Terangana. Donc à partir de là, comme nous le savons tous, c'est des contrats qui nous lient avec ces compagnies. Et avec cette présence de ces compagnies, nous avons Ken Energy, qui est l'opérateur principal du bloc de Sangomar Offshore Profond. Il y a également Cosmos Energy, en association avec d'autres tels que BP, qui est également l'opérateur principal pour l'exploitation du gaz naturel. Exactement. Merci par rapport à cette réponse. Les gisements sont déjà là. Les découvertes sont déjà disponibles sur notre territoire, le territoire sénégalais. Ça suppose qu'il y a des compagnies pétrolières qui s'intéressent à ces ressources. Cela sous-entend qu'il y a des contrats. Et au Sénégal, récemment, il y a eu un débat sulfureux, houleux autour de ces contrats. Qu'en est-il? Bon, c'est vrai qu'il y a un débat un peu intense autour des contrats, mais ça porte très souvent sur la cession des parts. Parce qu'il faut comprendre que dans le secteur pétrolier, nous avons différents types de contrats. Nous avons des contrats de partage de production, que le Sénégal appelle les contrats de recherche de partage de production. Nous avons également des contrats de service que certains pays producteurs très sûrs en ce qui concerne la disponibilité de leurs ressources pétrolières et gazières, telles que l'Arabie Saoudite. Nous avons également des contrats de concession. Mais quand je reviens un peu sur le cas du Sénégal, nous, on a signé un contrat de partage de production. Et que dans ces contrats de partage de production, il y a ce que l'on appelle également un contrat de joint venture, c'est-à-dire le contrat d'association. C'est ce qui a amené un peu ce bruit autour de Timis Corporation et de Cosmos Energy. Parce que le Sénégal avait cédé deux blocs pétroliers au large de Saint-Louis et de Kayar, c'est-à-dire le bloc de Saint-Louis offshore profond et de Kayar offshore profond à Timis Corporation. Mais à un moment donné, Timis a vendu ses parts à Cosmos Energy. Il occupait 90%, parce que sur le bloc pétrolier également, l'État du Sénégal, durant la phase d'exploration, occupe 10%. Donc les 90% qui restaient a été donné par Timis Corporation. Et lorsque Timis était là, par la suite, il a cédé ses parts à Cosmos. C'est Cosmos qui a mené des activités jusqu'à faire une découverte de gaz naturel très importante, classée même au rang mondial. Donc, il y a également, pour le cas de Ken Energy, nous avions également cette joint venture parce qu'il y avait Ken Energy qui occupait 40% des contrats. Il y avait 35% occupé également par ConocoPhillips, aujourd'hui remplacé par Woodside, 15% occupé par PAR et 10% toujours par PetroCentre. Donc, c'est ça, ces contrats de joint venture. Il y a énormément d'enjeux que l'État peut-être pourrait essayer de voir comment faire sécuriser cette partie. Le tout également.
également, ça nous amène souvent à des pertes. Parce que la cession des phares, l'État souvent perd beaucoup d'argent, même s'il s'agit quand même des droits de préemption que l'État ne peut pas supporter, ça arrive. Mais l'État pourrait également avoir un contre-book pour structurer sur cette partie de contrat d'association et de joint venture. Mais est-ce que comme ces contrats sont déjà signés et que la part du Sénégal, d'après vos explications, n'est pas très, très importante avec le discours avec le Petrocène, est-ce qu'il y a des possibilités pour que le Sénégal puisse tirer davantage de ces contrats? Donc c'est peut-être, je ne dis pas que le Sénégal n'a que 10% dans les contrats de partage de production. Ce qu'il faut comprendre, le contrat pétrolier également va suivre un processus. Durant la phase d'exploration, l'État du Sénégal va occuper jusqu'à 10%. Et ces 10%, c'est les 10% supportés par les compagnies. L'État ne va rien donner, mais les 10% vont être couverts par ces compagnies qui vont assurer l'activité. Exactement. Mais dans le contrat de partage de production également, si nous revenons sur la partie de la production, l'État n'a pas que 10%. Là également, il faut l'expliquer de manière très claire. L'État a trois sources de revenus. L'État tire également des intérêts sur le profit oil. L'État tire des intérêts sur les dividendes qui est représenté par Petrocène, qui peut être de 10%, voire même 20% durant la phase de production. L'État également tire des intérêts sur des primes et autres. Donc ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas que 10% que l'État occupe, mais l'État également a d'autres intérêts sur les contrats de partage de production. Pourtant, c'est un contrat qui est un peu complexe. Mais de nature, peut-être ce qu'il faut dire et comment essayer pour renforcer un peu la part de l'État dans ces contrats, c'est de réviser un peu la part du profit oil. Parce qu'une partie également des ressources vont être réservées par l'État. Est-ce que c'est bien négocié ou équilibré? Je pense que c'est ça la question. Bon, espérons que l'État a entendu votre message par rapport à cette intervention. Et cela suppose que, avec les questions pétrolières et gazières, il y a des enjeux. Qu'en est-il par rapport à ces enjeux et les perspectives également? Donc, quand je reviens un peu sur les enjeux, avec l'industrie pétrolière, les enjeux sont énormes et divers. Il y a les enjeux géopolitiques. Aujourd'hui, nous avons une découverte sous forme d'une utilisation avec la Mauritanie. C'est ce que l'on appelle une découverte à cheval entre la Mauritanie et le Sénégal. Donc, avec les enjeux géopolitiques, comme on le dit, les enjeux, c'est le contrôle du territoire. Comment peut-on faire peut-être pour anticiper un peu sur certains conflits, pour assurer une bonne gestion, une gestion responsable? Je pense que là, ça nécessite quand même une bonne préparation pour éviter certains conflits également. Il y a des enjeux également sur le plan économique, parce que l'économie maritime tire également sa ressource sur les ressources halieutiques. Donc si cette activité peut entraîner des conséquences, qui peuvent être également les entraves sur cette partie économique, surtout au niveau des pêcheurs ou bien même en ce qui concerne la rentrée des devises même pour l'État. Donc tout cela nécessite quand même une bonne gestion, une bonne gestion intégrée face aux autres secteurs. Il y a également des enjeux environnementaux qu'on peut également développer. Parce que nous avons écouté le pétrole au Sénégal, le gaz au Sénégal. Nous avons écouté ce grand homme qui est un scientifique sénégalais qui est en train de démontrer aux journalistes les conséquences par rapport à la découverte du pétrole et du gaz à Dakar. Et il est en train d'expliquer réellement les conséquences. Il y aura des problèmes avec ce pétrole qui va amener les problèmes des pêcheurs. Parce que quand ils vont commencer à soustraire le pétrole à Dakar, Total, nous savons bien, Total est un grand pollueur en Afrique. Au Congo-Brazzaville, chez moi, Total a pollué les eaux. Total a pollué les terres des paysans. Les paysans aujourd'hui ne peuvent plus travailler les terres aux alentours parce que dès qu'ils creusent, il y a les déchets du pétrole qui apparaissent. Parce que Total, ils pompent le pétrole, ils volent immensément de pétrole en Afrique et ils détruisent la terre en Afrique aux alentours. Essayez de comprendre. Et ils vont le faire à Dakar. Le même, ce qu'ils font dans les restes des pays d'Afrique, ils vont le faire à Dakar. Et Macky Sall, il est l'homme préféré de la France, de l'Élysée, pour la destruction de Dakar. La vérité doit être dite. Regardez ici, le pétrole au Sénégal. C'est ici. Vous voyez,
Hein? Et c'est cette vidéo tout à l'heure qu'on a suivie. Hein? Du grand chercheur, hein? Ingénieur, du grand scientifique sénégalais qui est en train de démontrer, hein? A, B, C, sur les conséquences du pétrole au Sénégal. Mais est-ce que le pétrole au Sénégal, le gaz, va bénéficier pour les populations? Est-ce que les populations vont bénéficier? Grandement faux. Les populations vont souffrir parce que le pétrole, là, découvert, ne sera pas pour le peuple sénégalais. Ils vont même pas avoir des sous. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, les Africains doivent comprendre que le franc CFA, imprimé par la Banque de France à Chamalières, n'est que les papiers hygiéniques. Tous les Africains doivent maintenant s'essuyer, hein, les fesses avec le franc CFA. N'utilisez pas le franc CFA pour aller faire des courses. Quand vous avez des CFA, utilisez dans les mouchoirs papier de toilette. Parce que le franc CFA est égal papier de toilette. La vérité doit être dite. Nous devons déstabiliser toute la mafia de la France-Afrique. Parce que eux, ils sont en train de déstabiliser le Congo RDC. Ils sont en train de tuer les Congolais de la RDC. Il y a beaucoup de morts. Chaque jour, on tue. Pendant que Félix soit, disons, président du Congo, mais il n'est pas le président, c'est une étiquette placée par alias Kabila. Et Félix n'est pas le président. Le vrai président se cache derrière Félix. Et ce vrai président, c'est qui? Alias Kabila. Voilà pourquoi il a l'avion République démocratique du Congo. Il a ça pour lui. C'est sa propriété. Et maintenant, lui, Félix Tshisekedi, lui, pour voyager, il faut qu'il appelle des compagnies étrangères pour venir le chercher. Essayez de comprendre. Hein? Et ça, on veut que les Congolais copent ça. Mais voilà pourquoi les Congolais doivent se lever. Article 64. Feu au Congo RDC. Les Sénégalais doivent mettre le feu à Dakar. Refuser l'élection. Soit disons que Macky Sall a gagné. Macky Sall n'a pas gagné. Il faut que les Sénégalais mettent le feu. Parce que je vous assure, tant que les Africains vont accepter les jeux de la France, mais nous sommes mal barrés parce que la France, leur objectif, c'est une Afrique sans l'homme noir. Et la France, ils sont fiers quand ils voient les migrants sortir de l'Afrique, hein, les jeunes Africains qui prennent la direction de la mer. Ils sont fiers parce qu'il y a des trafics d'organes. On tue les jeunes Africains, on tue les jeunes filles africaines, on vole leurs organes. Et qui sont les spécialistes derrière cela? La France et les restes de la communauté européenne. Tous des criminels, des assassins. Hein? La terre appartient à tous les êtres humains, mais on empêche les autres d'aller se cacher. Mais quand Hitler bombardait l'Europe, mais les autres allaient se cacher dans d'autres pays, non? Mais pourquoi la France refuse que les Africains et les autres pays européens refusent que les Africains viennent se cacher chez eux? Parce que pour eux, il faut que l'Africain soit effacé de l'Afrique. Une Afrique sans l'homme noir est une Afrique bien. Pour l'homme blanc, barbare, parce qu'ils veulent s'en comparer de l'Afrique. Ils veulent faire de l'Afrique leur territoire. La vérité doit être dite. Je vais lire ici ce que le parrain écrit. Babylone va tomber tôt ou tard. L'avenir se trouvera en Afrique. Ça reste le berceau de l'humanité et la source de la civilisation de ce monde. C'est le camp le plus riche du monde. C'est la terre de nos ancêtres, je crois que c'est ce qu'il a mis, de nos ancêtres. Abat l'esclavagisme, abat l'impérialisme, abat le colonialisme et vive le panafricanisme. Voilà. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Voilà. Donc, nous allons suivre ici maintenant autre chose. Toujours, hein, c'est Dakar. Et 2023, la production du gaz au large. Donnez-moi un instant.
y a 100 millions d'années, au large du Sénégal, des algues proliféraient à la surface de l'océan. Après leur mort, ces algues se sont déposées au fond de la mer. Ces cadavres de végétaux se sont ensuite progressivement transformés en pétrole et en gaz, en s'enfuissant dans le sous-sol chaud de la Terre. Plusieurs millions d'années après leur formation, le pétrole et le gaz sont encore retenus dans les structures géologiques situées plusieurs kilomètres dans le sous-sol. Pour trouver ces pièges contenant éventuellement du pétrole et du gaz, les compagnies pétrolières viennent signer des contrats de recherche et de partage de production avec l'État du Sénégal qui leur demande de s'associer avec notre société nationale Petrosen pour former une équipe. Cette équipe, pilotée par la compagnie pétrolière, effectue alors une échographie du sous-sol que l'on appelle sismique. Ces compagnies réalisent ensuite un forage durant lequel elles analysent le contenu des roches du sous-sol pour voir si elles contiennent du pétrole. Il s'agit là d'une opération risquée qui peut coûter plusieurs dizaines de milliards de francs CFA aux compagnies pétrolières internationales et qui pourtant se solde par un échec dans 80% des cas. De temps en temps, l'analyse des résultats de forage révèle l'existence de pétrole ou de gaz. Les compagnies et leurs partenaires, Petrosen, déclarent alors avoir fait une découverte. C'est ce qui s'est passé avec les découvertes de pétrole au large de Sangomar en 2014 et de gaz au large de Saint-Louis et Caillard en 2016. La politique d'attractivité menée depuis 1998 par l'État du Sénégal venait enfin de porter ses fruits grâce aux découvertes de SNE, FAN, Tortue, Teranga et Yakar. Pendant 2 ans, les compagnies pétrolières et Petrosen ont évalué ces découvertes de pétrole et de gaz, c'est-à-dire qu'elles ont effectué d'autres forages pour vérifier si le sous-sol à SNE ou Tortue a piégé une quantité suffisante de pétrole ou de gaz facile à extraire du sous-sol. Pendant tout ce temps, un contact permanent a été maintenu avec les communautés impactées. Maintenant, où en sommes-nous? En ce début d'année 2018, les équipes sont en train de mener des études financières et techniques pour voir quelles seront les installations et le budget nécessaires pour exploiter ces différents gisements de pétrole et de gaz. En 2018 et 2019, si la rentabilité des projets est confirmée, une décision finale d'investissement validera le programme technique et les investissements nécessaires pour installer au fond de la mer et en surface tout le matériel de production. On entamera alors la phase dite de développement qui coûtera aux compagnies et à Petrosen un investissement de plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Cette phase d'investissement difficile et technique pourra aussi générer des emplois et des opportunités pour les entreprises sénégalaises qualifiées. Entre 2021 et 2023, la production du gaz... Grandement faux. Quand ces sociétés françaises et d'autres sociétés viendront pour voler le pétrole et le gaz à Dakar, ils ne vont pas donner du travail aux Sénégalais. Non! Non! Est-ce qu'au Congo, Brazzaville chez moi, est-ce que Total donne le travail aux Congolais? Est-ce que Total donne la possibilité aux Congolais d'avoir des écoles de ce nom? Est-ce que Total à Pointe-Noire, on construit des écoles de médecine, des hôpitaux? Rien! 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 Et ils ne feront rien à Dakar. Ils vont seulement voler. Et voilà pourquoi, pour la France, ils ont tout fait pour que Macky Sall reste. Voilà pourquoi la France, voir que ce jeune, qu'il puisse prendre le Sénégal en main, président de la République, pour la France, ils disent non. Ils disent non! Ousmane Sonko était nommé par le peuple sénégalais. Mais avec la tricherie de l'Élysée, vu que c'est l'Élysée qui est au contrôle de la déstabilisation de l'Afrique, du continent de l'Afrique, alors ils ont mis des stratégies, il faut empêcher que les vrais visionnaires du changement ne puisse pas prendre le pouvoir en Afrique. C'est ça
Et ça se passe même au Congo RDC. Martin Fayulu, qui a été nommé par le peuple congolais, il n'a pas pris la place, hein, le siège. Et quand vous allez bien chercher à rentrer pour voir, c'est la France qui se cache derrière. Et vous avez après la Belgique, vous avez après l'Allemagne et les États-Unis. Il faut comprendre que le mal de l'Afrique, c'est la France. Et ils tiennent l'Afrique avec la monnaie des papiers hygiéniques, qui est le franc CFA. Le franc CFA n'est que le papier hygiénique. Et c'est là où ils tiennent bien l'Afrique. La vérité doit être dite. Hein? L'empêchement, on empêche que l'Afrique s'en sorte. Non, les Français sont dangereux. Ils sont dangereux. Ils sont excessivement dangereux. On va finir ce truc-là, cette vidéo où ce qu'ils parlent du pétrole à Dakar. Gaz au large de Saint-Louis et des premiers barils de pétrole au large de Sangomar va démarrer. Une partie de la production de pétrole et de gaz permettra de rembourser aux compagnies pétrolières les investissements qui ont été effectués pour faire de la sismique, le forage, l'évaluation et le développement. L'autre partie de la production sera partagée entre le Sénégal et les compagnies. Dans ce partage, le Sénégal est toujours assuré de gagner plus de 50% du profit. Comment ? Grâce à trois canaux. La part de l'État dans la production, la part de Petrosen, les impôts et taxes qui seront payés par la compagnie. Depuis 2014, l'État du Sénégal et ses partenaires, les compagnies pétrolières, progressent à travers les différentes étapes qui permettent de débuter la production et de générer les premiers revenus. Après le démarrage de la production de ces hydrocarbures, l'État du Sénégal touchera donc sa part majoritaire dans les profits. La gestion transparente et rigoureuse de ses revenus servira de levier fort dans le développement des secteurs prioritaires du PSE, tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, l'énergie, les infrastructures routières et ferroviaires. Le pétrole et le gaz étant des ressources épuisables, une partie de ces revenus sera affectée dans un fonds intergénérationnel pour assurer la solidarité avec les générations futures à travers l'investissement et l'épargne. Grandement faux, générations futures. Nous avons au Congo-Brazzaville, Sassou a volé. Il a volé l'argent des générations futures. Plus de 14 000 milliards, il a détourné. L'argent des générations futures. Hein? À l'époque, le pétrole, $50, $300, $50, $100, $200, $300 le baril. Hein? Le Congo-Brazzaville, le PCT, le clan de Sassou, se sont fait beaucoup d'argent. Grâce à la mafia du franc CFA, l'argent qui n'est que le papier hygiénique. Le franc CFA n'est que le papier hygiénique. Et cet argent, qu'est-ce qui s'est passé? Le franc CFA, à partir de cette monnaie, la France, l'Élysée, elle s'est fait des milliards. Parce que l'argent africain, hein, les devises, 50% sont déposés dans les banques françaises. Essayez de comprendre. Et c'est des milliards. Et pour la France, il ne faut pas que le jeu du général de Gaulle. Parce que général de Gaulle, c'est lui, il a fait copier-coller. Il a eu l'idée à partir de Hitler. Parce que Hitler, quand il bombardait l'Europe, il avait mis une monnaie pour déstabiliser, voler vraiment immensément le reste des pays européens et aller placer les économies en Allemagne. Et c'est ce que général de Gaulle a fait. Il a copié l'idée et il a monté une monnaie qui est le franc CFA. Imprimé, à l'époque, c'était des 15 États d'Afrique. Maintenant, c'est 14 États. Essayez de comprendre. Et ce sont des milliards. Voilà pourquoi la France, elle joue bien avec l'Afrique grâce à la monnaie du franc CFA qui n'est que le papier hygiénique.
Le franc CFA n'est que le papier hygiénique. Et c'est cette monnaie. On déstabilise en volant l'Afrique. On fait tout pour déstabiliser tout le continent de l'Afrique. La vérité doit être dite. Non, la France, l'ennemi de l'Afrique. Vraiment. L'ennemi juré, ce sont des mauvais. Des mauvais. Alors, pour la France, il ne faut pas que ce jeune soit président. Non, il faut empêcher. Et pourtant, lui, il était élu. Et pour la France, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que leur bien-aimé, Macky Sall, reste. Et il y a quelqu'un qui connaît tous les jeux de la mafia de la France. Il y a quelqu'un qui connaît bien ce jeu-là. Monsieur Robert Bourgi. Lui, cet homme-là, lui, il connaît bien les jeux de la France, lui. Il connaît bien le jeu de l'Élysée. Il connaît bien la déstabilisation du continent de l'Afrique. La vérité doit être dite. Et la France... Ousmane Sonko, il faut empêcher, il ne doit pas être là. Parce qu'il a l'idée, c'est un son charisme. C'est quelqu'un qui veut le bien de l'Afrique. Et il faut empêcher cela. Il faut empêcher, il ne faut pas qu'il soit là. Et tout ça c'est qui? La France. Parce que pour la France, le développement de l'Afrique... L'Afrique s'en sortir, c'est un mal pour la France. Et ils ne veulent pas que l'Afrique s'en sorte. Il faut empêcher cela. Il faut empêcher. Il faut faire à ce que le Sénégal soit toujours déstabilisé. Il faut faire que l'Afrique ne s'en sorte pas. Et c'est ce qui se passe. Voilà la vérité. Donc je demande au peuple sénégalais. Continuez à vous lever et continuez à protester contre la dictature de Macky Sall. Il faut qu'il y ait le changement. Le changement au Sénégal. Nous avons ici M. Ousmane Sonko, candidat à l'élection présidentielle. Ici. Et là, il y a une journaliste, et là, c'est lui. Mais empêché par les jeux de l'Élysée, que cet homme ne passe pas. Parce que cet homme est un sans charisme. Il faut empêcher. Pourquoi? Parce que pour eux, cet homme-là, s'il passe, c'est la fin de la France-Afrique. Donc, il faut empêcher. La France est le malheur de l'Afrique. Et la France continue à vouloir à ce que l'Afrique ne s'en sorte pas. Et c'est ça, c'est cela dont les Africains devront se battre, dont nous devons tout le temps être debout. Parce que l'Afrique va mal. Mais l'Afrique va mal, pourquoi? Le jeu de la France. Il faut empêcher que les Africains sortent de la merde. Il faut empêcher que l'Afrique n'ait pas du développement. Et tout ça, c'est calculé. C'est calculé. L'Élysée est le malheur de l'Afrique. L'Élysée est le mal de l'Afrique. Et pour eux, ils se disent l'homme bien qui fera tout le boulot de la France. Macky Sall. L'homme qui amènera la déstabilisation de l'Afrique. Macky Sall. Oui, la déstabilisation du continent de l'Afrique, pour la France, c'est cet homme-là, Macky Sall. Et Macky Sall, il est bien aimé de la France. Et il est le chien, le caniche de la France. Et Macky Sall, c'est le cochon de la France. Et il fera tout pour déstabiliser le reste du continent de l'Afrique. L'Afrique ne doit pas sortir de la merde. Ça, c'est le programme de Macky Sall. Il est là, invité à l'Élysée, en grande pompe.
Il faut empêcher le développement de l'Afrique. Il faut empêcher la sortie de l'Afrique du franc CFA qui n'est que le papier hygiénique. Et ça, c'est le plan de la France. Voilà pourquoi ils font tout. Macky Sall doit rester. Emmanuel Macron est l'ennemi juré du peuple noir. Emmanuel Macron n'aime pas les noirs. Quand vous voyez des noirs qui sont à côté du président Emmanuel Macron, mais c'est une stratégie mensongère, une stratégie perlimpinpin. C'est du perlimpinpin. Emmanuel Macron est égal perlimpinpin. La vérité doit être dite. On joue bien avec les mœurs du peuple noir. Et on fait croire avec Emmanuel, avec Macky Sall, l'Afrique sera bien. Mais grandement faux. L'Afrique, elle va continuer à subir à cause de ce cafard. De ce cafard. Macky Sall, vous voyez Macky Sall ici. Mais c'est pas un homme noir. Il est blanc intérieurement. Parce qu'il est convaincu. Il est convaincu de la France. Il est convaincu de l'Élysée. Et pour Macky Sall, il faut déstabiliser le continent de l'Afrique. Moi, le tiers africain, je suis un Thomas Sankara. Je suis un guerrier. Je suis celui qui restera toujours debout et qui dira merde à la France. Parce que la France, elle fait éperdument du mal à l'Afrique. Elle continue à détruire l'Afrique avec des stratégies immenses, des stratégies de dingues. Voilà ce que la collègue ici écrit. Peau noire, masque blanc. Bravo, merci. Merci. Merci, maman Soso. Je vais noter ça. Peau noire. Masque blanc. Voilà, j'ai noté ça, maman Soso. Merci beaucoup. Peau noire, masque blanc. Non, j'en ai marre. Est-ce que l'Angleterre, la monnaie britannique, est-ce qu'elle est imprimée en France? Non, elle est imprimée à la banque britannique. Et regardez l'économie anglaise, comment elle est. Regardez le pays, l'Angleterre, comment c'est. Est-ce que l'Allemagne, l'euro en Allemagne, est-ce que c'est imprimé en Italie ou en France ou en Espagne? Non, c'est imprimé en Allemagne. Mais pourquoi la monnaie africaine, elle est dictée par la France? Mais c'est parce que la France... Il faut piller les ressources de l'Afrique. Il faut appauvrir l'Afrique. Il faut détruire l'homme noir de l'Afrique. Parce que l'homme noir n'est pas un être humain. L'esclavagisme dont les Français barbares ont fait. Est-ce qu'ils ont demandé pardon? Est-ce qu'ils ont demandé des excuses du mal qu'ils ont fait au continent de l'Afrique? Non! Jamais! Mais les juifs, tout le temps, ils sont là en train de payer le mal qu'ils ont fait au peuple juif d'Israël. Essayez de comprendre. Mais le peuple noir, on s'en fout parce que ce n'est pas des êtres humains. Pour l'homme blanc, ce n'est pas des êtres humains. Pour l'homme blanc, eux, ils sont c'est des êtres humains et les noirs ne sont pas des êtres humains. Mais pendant ce temps, les blancs sont des barbares. C'est des gens qui habitaient dans des grottes. Dans des grottes. Pendant ce temps, en Afrique, les rois africains habitaient dans des palaces. Hein? En Afrique, les noirs connaissaient les toilettes. En Europe, à l'époque, ils ne connaissaient pas les toilettes. Ils faisaient leurs besoins dans des cartons et ils jetaient dans l'eau. Ils jetaient dans la Seine. Hein? Et à cette époque, il y avait pas mal d'épidémies. La France est le malheur de l'Afrique. Et les Africains doivent éperdument ouvrir les yeux. Partager immensément ce direct. Il faut que les gens ouvrent les yeux. Il faut que le peuple africain
Sois éveillé, que ce peuple endormi ait les yeux ouverts, parce qu'il y en a marre. L'Afrique doit sortir de la merde. L'Afrique doit sortir de la merde, du cauchemar total. Le mal de l'Afrique, c'est Dakar, le Sénégal. Le mal de l'Afrique, c'est la France. Le mal de l'Afrique, c'est la France, l'Élysée. Le mal de l'Afrique, c'est Macky Sall, qui n'est que peau noire, masque blanc. Le mal du continent de l'Afrique, Alassane Ouattara, qui n'est que peau noire, masque blanc. La vérité doit être dite. Le mal de l'Afrique n'est que Alassane Ouattara, qui n'est que peau noire, masque blanc. Le mal de l'Afrique, qui n'est que Macky Sall, peau noire, masque blanc. La vérité doit être dite. L'Afrique va mal. Mais l'Afrique va mal, pourquoi? Parce que nous avons des marionnettes de la France, des gens qui sont là pour déstabiliser l'Afrique. Félix alias Tshisekedi, Kabila Paul Kagame, Hitler en RDC, placé par alias Kabila. Mais il n'est pas le vrai président. Le vrai, c'est alias Kabila. Il se cache derrière Félix. Et alias Kabila, il a une stratégie avec sa marionnette, Félix, et le jeu là. Mais qui se cache derrière les jeux de cette mascarade? Quand vous allez bien fouiller, la France, le malheur de l'Afrique. Parce que la France, elle se dit, elle imprime le franc CFA, qui n'est que le papier hygiénique. Et elle se dit que elle peut faire tout ce qu'elle veut en Afrique. Tuer les Africains, déstabiliser tout le continent de l'Afrique, empêcher que les Africains n'aient pas de l'eau potable. C'est la France, hein? Nous allons écouter ici quelque chose avant de clôturer ce direct, parce que c'est très important. Nous allons écouter ici. Qu'est-ce qu'un blanc est en train de dire par rapport à toute la mascarade qui se déroule en France? Nous allons écouter. Nous allons écouter, c'est très important. Très important. Non, si je vois pas, je vais aller ici. Peut-être là, je vais le voir. Non, ça fait mal. Ça fait mal ce qui se passe, ça fait mal. Ça fait mal. Initiative will help change what's available on our bookshelves. I mean, it's brilliant. I mean, especially for working in a city London school. Voilà, ici, Emmanuel Macron encourage Macky Sall. Vous voyez? Vous voyez? Ah non, c'est triste, le problème de l'Afrique. Ça fait mal. Il faut que je retrouve. Où est ce truc-là, le blanc qui parlait là? Ah là 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 là. Le blanc là, il disait des vérités. Je veux juste écouter où est-ce qu'il va dire certains éléments. C'est très important. Non, ça fait mal. La France n'aime pas l'Afrique. Non. L'Élysée, non. Ils s'en foutent de l'Afrique. Macron n'aime pas l'Afrique. La déstabilisation de l'Afrique, oui. Ça, Macron aime. Voilà. On va écouter ici. Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique. De nouveau, l'Amérique latine, l'Asie.
Nous sommes-nous les responsables de ces millions de morts? C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes. Que je t'amènerai le lot si je suis rentable. En Afrique, c'est nous. C'est pas eux. Eux, ils étaient capables de le faire en communauté. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est parce qu'ils nous ont attaqués. Qui? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. La France n'avait pas été bombardée par personne. Et nous, et quand les Américains ont bombardé Bagdad ou l'Irak, parce que c'était l'ennemi du mal, donc c'est qui, tous ces millions qui sont morts, et tous ces millions de réfugiés syriens, irakiens, etc., c'est qui, eux, ils sont venus. Et nous, on a le courage après de dire, je vais t'aider pour rester chez toi. Hein? Alors qu'on les a créé des conditions pour qu'ils doivent fuir. Et nous, on va dire hypocritement à cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir tenir les gens qui viennent d'Afrique où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut s'arrêter. La guerre ne se fait plus parce qu'on tue l'ennemi. La guerre est devenue, grâce à la technologisation, elle était jeune aussi d'avant, mais elle est devenue une activité économique la plus rentable après l'industrie pharmaceutique et l'industrie informatique. On fait la guerre parce que c'est rentable. Vous avez entendu? On fait la guerre parce que c'est rentable. Donc il faut tuer l'homme noir. Et c'est ce que la France est en train de faire. Elle le fait dans le continent en Afrique. Il faut tuer l'homme noir. Capitaine Thomas Sankara, il avait dit seul que la lutte qui libère. Mais tant que le peuple africain ne vont pas se lever, ils resteront toujours des esclaves à broyer, des gens à massacrer. Et c'est ce qui se déroule en Afrique. Pendant qu'en France c'est calme, hein, l'Élysée, Emmanuel Macron mange, il fait tout ce qu'il veut. Mais en Afrique on tue, on viole, il y a tout. Pourquoi? Parce que l'Afrique égorge immensément des richesses. Et il faut tuer les Africains. Il faut voler les richesses des Africains. Et c'est ce que la France est en train de faire. Parce que pour la France, elle se dit, elle fait une super bonne politique. Mais moi, je dis, Emmanuel Macron, tu es un enfoiré de merde. Tu es le malheur de toute l'Afrique, Emmanuel Macron. Mais sache, Emmanuel Macron, hein, la vie. Nous venons sur Terre, nous sommes des terriers. Mais demain, nous mourrons. Et quand tu meurs, on te met dans un trou au cimetière. Et le cimetière, c'est le passage de tout le monde. Même ceux qui tuent les Africains. Ceux qui tuent en Afrique. Ceux qui brûlent les corps des gens pour faire disparaître les traces. Mais sachez une chose. Demain, vous allez aussi mourir. Et vous allez connaître. Parce qu'en enfer, vous serez torturé 24 heures sur 24. Emmanuel Macron est le malheur de l'Afrique. Emmanuel Macron n'est que la peste en Afrique. Nous allons écouter ici quelqu'un qui a dit toujours des vérités dans une musique et nous allons nous séparer avec ce grand des grands qui dit toujours la vérité dans sa musique. Et nous allons écouter ce grand des grands. Et avant, je vous dirai merci beaucoup. Passez une excellente bonne soirée. Kerry James. À la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant, ces riches d'honneur, de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité.
les immigrés, ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux hardis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros muterés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez sinistré depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromanie et pompiers, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix. Votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas. On le sait parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas ingrat, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narco, trafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fous, de vrais voyous au constat, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes coups pointent du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tout vont combattre. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays d'Italie des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi, je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui rend plus de mon respect des lois des artistes transparents? J'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection. Comprends, je n'attends plus qu'elle-même.